première chose que j'ai voulu, c'est vraiment retourner à ce manuscrit. Je me suis dit, il faut essayer vraiment de regarder ce que Mozart a laissé. Et peut-être que dans ce qu'il a laissé, il y aurait des indices déjà qui pourraient nous guider vers la complétion. Du coup, j'ai regardé un peu ce manuscrit sous toutes les coutures, je l'ai décortiqué. Et effectivement, j'ai trouvé des choses de la main de Mozart qui guident vers notamment des accompagnements d'orchestre ou des indices qui peuvent nous permettre de compléter ces choses-là. Et j'ai d'abord voulu commencer avec ça. Je crois qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas que Mozart a composé très peu de ce requiem. On parle toujours du requiem de Mozart, mais en fait, ce qu'il a composé, c'est le premier mouvement en entier, et puis la partie chorale avec la basse continue, jusqu'au Sanctus. À partir du Sanctus, il n'y a plus rien. Et c'est ça le grand problème de cette œuvre, parce que c'est extrêmement inégal. Süssmayr, il a copié. Alors déjà, il n'a pas commencé en premier. Il y a eu Heibler qui est passé avant lui et qui a fait, disons, le squelette de l'orchestration. Et Süssmayr l'a plus ou moins recopié, souvent en l'abîmant un petit peu plutôt qu'en l'améliorant. Disons le service minimum. Il fait pas de mal quand il écrit ça, mais il donne pas de saveur à la mélodie. Et tout l'art de l'accompagnement chez Mozart, tout l'art de sous-tendre la voix, c'est de donner de l'intérêt à l'orchestre, d'y donner de la forme, de la mélodie, de la saveur. Qui était Süssmayr? C'était pas un vrai élève de Mozart, mais un collaborateur qui l'a aidé parfois quand il avait trop de travail. C'était un compositeur médiocre et qui était le quatrième choix de la veuve de Mozart pour compléter le requiem. Première démarche par rapport à ce requiem, en observant le manuscrit, était aussi de faire l'histoire de la complétion. J'ai été assez surpris de voir que notamment toutes les tentatives de complétion depuis les années 70 du XXe siècle divergent assez peu de Süssmayr en fait. Elles prennent vraiment son écriture pour base et il n'y a pas eu ce travail qui a été fait de table rase et de retour réellement au manuscrit. C'est pour ça que, en fait, je n'ai pas eu vraiment de possibilité de m'inspirer du travail de mes prédécesseurs. Je me suis inspiré par contre de leur travail de recherche. Moi, je trouve toujours un grand problème de choisir la version. Il faut voir d'abord ce que Süssmayr a fait et essayer d'améliorer, voilà. De le revoir, de le corriger, d'instrumenter mieux et plus légèrement, que Süssmayr a toujours une instrumentation très lourde. Ce n'est pas du tout le cas avec cette composition. Il faut surtout savoir jusqu'où on peut aller. On a une version qui reste humble. Cette composition de Mozart, cette écriture pour voix, c'est un bijou. Et pour moi, l'idée, c'est simplement de faire la monture qui met en valeur ce bijou, la monture la plus discrète possible, la plus en adéquation possible avec le joyau que Mozart nous a transmis. Je crois que c'est une fascination que je partage avec beaucoup de monde. Ce mythe, toute cette légende qui entoure cette œuvre, déjà c'est Mozart. C'est un compositeur qui m'a bercé et qui a changé de face beaucoup pour moi au fur et à mesure que je l'entendais. Et ce requiem, il a toujours une
place mystérieuse pour moi. C'était une œuvre pour laquelle j'avais énormément d'attirance, énormément d'intérêt, même de passion, et en même temps, une œuvre qui ne me satisfaisait jamais quand je l'écoutais. Et c'est au moment où vraiment j'ai regardé ce que Mozart avait laissé et où j'ai commencé à entendre potentiellement dans ma tête les choses qui pourraient émerger de ça et entourer ce requiem que je me suis dit « Ouais, j'ai peut-être quelque chose à dire avec cette œuvre. » Et c'est devenu plus qu'une passion, plus qu'un intérêt. C'est devenu une bataille personnelle pour moi.